Et Tanguy Pastureau, c'est à vous. Ah, le Covid, j'en peux plus. Ah, la Covid, j'en peux plus. Voilà, comme ça, j'ai fait avec les deux genres. Ça va éviter que je reçoive des mails d'auditeurs à cheval sur la langue. Parce que, bon, près de Limoges, vous avez vu, quelqu'un a incendié un de nos émetteurs. On a trouvé au pied de l'émetteur une carte d'identité au nom de Yves Calvi. Je vois pas qui c'est. Mais enfin bon, il nous reste des auditeurs, hein, de plus en plus d'ailleurs. Et puis, l'époque est déjà assez dure. Moi, j'ai besoin d'harmonie, là. Franchement, je fais une chronique parce que c'est sur le contrat. Mais si on pouvait juste se prendre par la main en se disant à l'oreille qu'on s'aime, bah, ça m'irait. Là, j'aimerais être une actrice française un peu fragile, à qui Augustin Trapenard dans Boomerang dirait « Mais à quel moment avez-vous réussi à faire de cette sensibilité que vous avez en vous un atout ? Parce que vous rayonnez, j'ai mis la protection UV 1-10-50 ce matin pour vous. » Oui. Et on est tous sur la brèche, même vous de Morant. Oh oui. Cette semaine, vous avez quand même avoué à l'antenne, regardez Virgin River, une série Netflix pour vieilles filles qui vivent avec leur chat. Vous êtes en train de craquer, mon vieux. Oui. Ça commence comme ça et dans 15 jours, on va vous retrouver à pleurer devant TMC qui rediffuse Sissi face à son destin. Et je vous comprends, on n'est pas bien, parce qu'on a l'impression que le virus va jamais s'arrêter. Je revois Édouard Philippe, le monsieur en noir et blanc, nous dire il y a bientôt un an qu'à l'été 2020, le Covid se serait plié. Et là, hier, j'ai entendu le professeur Fischer qui s'occupe de la stratégie vaccinale. Il doit être bipolaire hein, parce qu'elle change en moyenne toutes les deux heures. Je l'entendais dire qu'avec le vaccin, on pouvait espérer voir baisser la circulation du virus cet été. Espérer, comme dans la phrase « J'espère que tu vas bien » qu'on envoie par SMS à Olivier Faure alors qu'il est premier secrétaire du PS. Donc non, il va pas bien. Il est seul. Le jeu de l'île déserte où on doit emporter un livre. Pour lui, ça s'appelle « Vite tous les jours ». En plus, le siège du PS a été cambriolé et on lui a volé tous ses documents. Sa liste de courses, son recueil de mots mêlés. Quand je vous dis que rien ne va. Et puis, j'en peux plus de Jean Castex. Notre petit rendez-vous le jeudi soir. Nya, nya, nya. Mais quelle routine. Mais surprends-nous, Jeannot. Sois fou. Fais ça un mardi à 11h. Depuis un donjon. Parce que de toute façon, notre relation, c'est du SM. À chaque fois, tu nous punis. Et nous, on accepte par lassitude. Alors ce soir, il y aura tout le monde. Tout le monde. Sont annoncés Bruno Le Maire, qui va faire un point sur les finances du pays. Donc, je pense qu'il va fondre en larmes. Il y aura Olivier Véran, mais aussi Blanquer, qui va annoncer que les écoles restent ouvertes. Bachelot, qui va annoncer que les théâtres restent fermés. Hein, et si on s'en tient juste au mouvement des portes, ça fait une moyenne. Mais moi, ce qui me terrifie, c'est la possibilité d'un couvre-feu à 18h au niveau national. 18h chez soi, avec son plaid sur les genoux. J'espère que c'est pas compté sur mes années de retraite, parce que ça fait un an que je suis comme ça. Enfin, j'ai déjà ma vie de vieux. Je vais finir par mater Virgin River, moi aussi, en buvant un thé à la con de la marque Yogi, celle où sur le petit papier qui reste en dehors du mug, il y a une maxime écrite par le Dalai Lama ou Boris Cyrulnik qui dit « L'amitié est le plus beau des cadeaux ». Ah ouais, ça fait des mois qu'on peut pas aller voir nos potes. Tout le monde n'est pas Olivier Faure, enfin les gens ont des amis. Non mais moi ce que je veux c'est qu'on me dise la vérité. Que sur le papier de montée, il y a écrit « On va pas se mentir Coco, c'est mal barré, février tu vas le passer confiné dans un F2 à Valenciennes ». Je veux que ce soit le professeur Fischer qui soit chargé de la rédaction des maximes. Oui, nous sommes fébriles, déprimés. Heureusement, il y a Virgin River et notre relation un peu particulière du jeudi avec Jean Castex. Alors, fais-nous mal, Jeannot. Merci Tanguy Pastureau. Virgin River, le livre sort dans quelques jours. La passion de la commande, on attend ce soir. Vous touchez du fric de ces gens. Voilà, j'aime l'eau de rose.